famille. Je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et ben moi alors? Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, oh. Je m'appelle Clover. Je rêve où Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes. Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance, je voulais seulement lui rendre service, il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover, moi je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD. Très pompeusement intitulé « La légende du rock ». L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux... Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher, les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour se répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie l'élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le ProSulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le ProSulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts.